Alors qu'ils sont logés à l'hôtel Caravia, trois membres du comité de l'équipe marocaine de Maghreb de Tétouane se sont rendus, selon eux, prendre un café à l'hôtel Gloria Inn de Lubumbashi, où, curieusement, les arbitres du match qui les opposent au TP Mazembe sont logés. Youssef Yazidi, le chargé de marketing du club, que l'on voit sur ces images, se présente à la réception comme un membre de la FIFA. Il est accompagné du vice-président de l'équipe, Ridouane Elgazi, tandis que Karim Chou est resté dans la voiture. Interceptés et auditionnés par le commissaire au match, ils sont également entendus par la police congolaise. Ils ont approché les arbitres au déjeuner quelques heures avant le match décisif de ce samedi. Qu'en a-t-il résulté? Les enquêtes sont en cours. Dans une tentative de fuite, la sécurité de l'hôtel les a momentanément gardés dans l'enclos. Le troisième là, il était sorti de la voiture quand les policiers leur avaient demandé de sortir. Lui, c'est le financier, c'est le fait. Je crois que c'est lui qui avait là.